C'est l'histoire de deux hommes, Tristan et Cédric, qui à force de boire de l'eau du lac d'Annecy, ouais, ça existe, c'est en bouteille, il y a même le conseil de dégustation, c'est 13 degrés, hein, température. Je disais donc, ils ont eu envie de faire un vélo ensemble. Une espèce d'hybride entre un vélo et une petite moto. Et paf, Bicycle est né. Comme quoi, des fois, une simple rencontre. Et franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça a de la gueule. Trois modèles sont proposés sur leur site. Ça va de 2800 euros à 3500 euros. Mais toutes les informations devant moi. Et attention, en plus, vous pouvez les personnaliser. Alors, le prix dépend des accessoires que vous allez mettre dessus, bien sûr, et de la capacité de la batterie. Je vous conseille d'aller sur leur site et de regarder avec leur configurateur combien va vous coûter votre prochaine monture. À noter que ce sont malgré tout des vélos électriques normaux, c'est-à-dire 250 watts, 25 km/h. On est d'accord ? Et je me suis laissé dire qu'il y aurait un speed bike en préparation. Vu le look de la machine, ça me semble inévitable. Et là, pas de souci d'immatriculation, puisque c'est du Made in France, voire du Made in Annecy. Alors, comme d'habitude avec les speed bikes, le port du casque est obligatoire. Et en plus, il faut s'assurer comme si on assurait un scooter. Mais pour le moment, concernant les VAE normaux, le succès est au rendez-vous puisque le carnet de commandes, il est plein et les livraisons, elles ont commencé depuis le mois de mai. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, dès la fin de la vidéo d'e-bike news, je vous conseille d'aller sur leur site et puis, car si vous n'avez pas trop envie d'attendre, il faudrait peut-être vous dépêcher pour passer une commande. En attendant, les liens, ils sont... Plein de constructeurs automobiles proposent des vélos électriques. Mais alors pour les trouver, il faut aller au fond de la concession ou aller directement sur le site du constructeur. Parce que les vendeurs de 4 roues, pour le 2 roues, c'est pas vraiment au top. On va dire ça, ok? BMW, ça fait longtemps qu'ils font du 2 roues. Donc vendre de la moto ou vendre du vélo électrique, eux, ils savent faire. Pour 2021, leur gamme de vélos électriques s'étoffe. Ils ont également des vélos traditionnels, mécaniques on va dire, qui vont de 1500 à 500 euros. Ils ont même des patinettes, si tu te gares trop loin avec ta voiture ou si tu tombes en panne de batterie avec ta voiture électrique. Si, ça arrive. Concernant les e-bikes, l'Urban Hybrid est proposé à moins de 2600 euros officiellement sur leur site. Mais je l'ai trouvé à 2000 euros donc sur internet. Puis je pense que si vous le négociez, vous pouvez effectivement l'avoir à ce prix-là. Il est équipé d'une batterie de 36 volts et de 8,4 ampères-heure qui est intégrée dans le cadre. Le moteur, quant à lui, c'est un moteur arrière avec un train épicycloïdal. Et l'ensemble représente un poids de 18,5 kg, ce qui est totalement honnête. L'Active Hybrid, lui, par contre, a un moteur dans le pédalier, c'est un moteur Brose. Et une batterie de 17,5 ampères-heure, ce qui va nous permettre d'avoir une très bonne autonomie. Concernant le moteur, sachez que ce fameux moteur Brose développe 90 Nm, ce qui fait que les enfants en montagne, vous allez là vraiment l'apprécier. Pour le prix, c'est 3600 euros. Alors, ces deux vélos, évidemment, sont en aluminium au niveau du cadre. Ils sont équipés de freins à disque hydrauliques. Ils sont évidemment siglés BMW et ma foi, c'est assez classe, quoi. C'est vraiment bien fait. Comme d'habitude, je vais vous mettre les liens dans le descriptif de la vidéo.
Mais bon, n'hésitez pas à négocier parce que, attendez, si vous avez déjà une voiture BMW, si vous avez déjà une moto BMW et que vous voulez acheter un vélo BMW, je sais pas, il y a peut-être un petit effort à faire de la part du fabricant, non? Bon, vous me tiendrez au courant dans les commentaires quel prix vous avez réussi à le négocier, ok? En 1985, la fermeture de Manufrance va signer le déclin des productions de bicyclettes en France. Déjà présents sur le territoire national, les vélos asiatiques, d'un prix beaucoup plus abordable et souvent d'une qualité totalement acceptable, vont s'imposer sur le marché, si bien qu'aujourd'hui, 98% des cadres sont fabriqués en Asie. En 2020, à cause du Covid, il s'est vendu plus de 2,6 millions de vélos, dont 500 000 en version électrique. Pour une population de 60 millions d'habitants, ce chiffre va encore augmenter. Et évidemment, ce marché va profiter essentiellement à l'Asie. Car si vous ne le savez pas encore, les vélos estampillés Made in France, en réalité, ils sont montés en France, ils ne sont pas fabriqués en France, ils sont montés. Parce que les cadres et les accessoires viennent d'Asie. Et oui, en France, il n'y a plus de production industrielle de cadres en aluminium. Aujourd'hui, nous sommes complètement dépendants de la production asiatique. Bon, jusqu'à présent, ça ne dérangeait pas plus que ça. Et personne ne s'est vraiment inquiété de la situation. Sauf que là, aujourd'hui, il n'y a plus de pièces et il faut attendre de longs mois pour avoir son vélo. Comme Guylaine, qui je fais un petit coucou d'ailleurs, et qui attend son vélo, qu'elle a commandé chez moi, depuis le mois de mars. Du coup, il paraît important de relancer une fabrication Made in France, voire Made in Europe, pour ne plus dépendre du marché asiatique. Déjà, au Portugal et dans certains pays de l'Est, la production de cadres a déjà commencé. En France, un plan de développement est à l'étude et 20 milliards d'euros vont être injectés dans l'industrie du vélo. Déjà, Mercier va ouvrir une nouvelle usine en France, dans les Ardennes, et ils vont embaucher 250 personnes. Si vous cherchez du taf, c'est le moment de postuler. Mais derrière ces chiffres idylliques se cache une autre réalité. Le manque de compétences dans ce secteur. Effectivement, il manque de techniciens. Nous avons perdu notre savoir-faire. Et dans le secteur du vélo électrique, notre retard est abyssal. Batterie, moteur, électronique, tout est fabriqué en Asie. Créer une industrie dans ce secteur sera un défi pratiquement impossible à réaliser. Surtout que nous ne savons pas travailler ensemble. Je m'explique. Si vous faites un salon professionnel en Europe, vous allez avoir une ou deux relances de sociétés que vous avez contactées sur ce salon. Si vous faites un salon professionnel en Asie, alors non seulement vous allez avoir des relances des sociétés que vous avez contactées, mais en plus vous allez avoir des contacts de sociétés qui ne sont même pas présentes sur le salon. Et oui, car en Asie, on travaille ensemble. Parce qu'en Europe, on ne travaille pas ensemble. On travaille chacun de son côté en essayant de tirer la couverture à soi. Alors avant toute chose, il faudrait commencer à penser à travailler de manière différente pour ne plus être dépendant de certains pays. Enfin, vous savez, moi ce que j'en dis. Saviez-vous que si vous possédiez un smartphone, vous pouviez avoir un scooter ? Avec Yougo, c'est facile. Localisez et réservez à n'importe quelle heure un scooter, vous aurez 15 minutes pour le récupérer. Yougo est un nouvel opérateur de scooters électriques en libre-service qui arrive, enfin, vont dire certains, à Paris. Ils se sont fait les dents à Barcelone, Malaga, Séville, en Espagne quoi. Ils sont déjà en France, à Bordeaux, et pour les reconnaître, c'est simple, ils sont de couleur vert pastel et ça ressemble étrangement au Vespa. Bref, ils sont légèrement rétro au niveau du look, mais bien sûr, ils ont une motorisation électrique.
Et là où je vais vous surprendre, c'est que ces scooters sont fabriqués en France. Incroyable, non? Ils sont assemblés dans les Yvelines, en Île-de-France, par la société Pink. Ça veut dire rose. D'ailleurs, cette dernière propose 7 modèles. Bref, ils ont le choix et il y en a même certains qui sont proposés en équivalent 50 cm3 et qui sont proposés en équivalent 125 cm3. Pour les scooters en location, Yego, ça sera l'équivalent à du 50 cm3, c'est-à-dire la vitesse maximum 45 km/h. Mais bon, vous pouvez rouler moins vite hein, si vous voulez avoir plus d'autonomie, on est d'accord. Justement, puisque je parle des batteries, enfin, puisque je parle d'autonomie, quoi. Eh bien, les batteries, elles sont amovibles, c'est du 72 volts, 29 ampères-heure, ce qui va permettre d'avoir une autonomie de 50 km à fond les gamelles. En mode sport, si vous préférez, voilà, donc je l'ai dit. Quoi qu'il en soit, fin juillet, ça sera pas moins de 850 scooters qui seront disponibles dans la capitale. Concernant le prix de la location, ça je sais que ça vous intéresse, ça sera 0,36 centimes d'euros la minute, soit 11 euros pour 30 minutes pour faire simple. Eh bien, en sachant que à Paris, en scooter, tu dépasses les autos, eh bien, ça ne devrait pas vous coûter trop cher. Et comme d'habitude, il y a même l'application. Ik heb de meiden net opgehaald van school. We gaan zo lekker weer in de bakfiets springen en dan gaan we richting het Amsterdamse bos naar de geitenboerderij. Gazelle sort son nouveau vélo cargo spécialement prévu pour faire le maquis en Corse. Bon ok, les Hollandais ne connaissent pas notre finesse de langue et en fin de compte, le dernier vélo cargo s'appelle effectivement le maquis et non pas le maquis. Du coup, ben, ce dernier n'est pas destiné que à nos amis corses, il est destiné à tout le monde, d'autant plus qu'il est électrique. Il est propulsé par un moteur Bosch Line 3.0 qui développe 60 Nm, ce qui me paraît pas très puissant, mais vous allez voir, il y a un petit secret derrière. Alors 65 Nm, ça paraît un peu faible comme ça, surtout ben, si votre vélo cargo est chargé et puis si vous habitez en montagne. Mais par contre, si vous habitez en ville, il n'y a aucun souci. Et c'est spécialement ce public qui est visé avec ce nouveau vélo cargo. Sa caisse est en polypropylène expansé et elle permet de protéger les enfants qui vont se placer à l'intérieur et mettre leur ceinture de sécurité. Le gros avantage de cette caisse, c'est qu'elle est particulièrement isolante au froid et ça, eh ben les enfants ils vont apprécier. Et je vous rassure, elle est résistante également à l'abrasion. Pour le pilote qui lui va pédaler, eh ben sachez que ce vélo est équipé d'un moyeu arrière Anviolo 20T à variation continue, ce qui explique du coup le choix de Gazelle de ne pas mettre un moteur avec plus de couple. Avec ce moyeu, l'effort du pilote est largement diminué. Du coup, il n'y a pas besoin d'avoir un couple énorme au niveau de l'assistance. Le maquis est équipé d'origine d'une batterie de 11,11 ampères-heure, mais en option, vous pouvez mettre une batterie de 13,5 ampères-heure. A noter qu'il est également équipé de freins hydrauliques 4 pistons, et ça, dans les descentes, quand vous êtes chargé, c'est bien utile. Concernant les sous-sous, il faut bien parler un peu de sous-sous, non? Eh bien, c'est en version 400 watts et... Non, ça marche pas si je fais comme ça. Ok. C'est 4800 euros en version 400 watts et 5000 euros en version 500 watts. Sans les options. Et comme je le dis souvent, hein... De stad heen raast, dat is wel heel fijn. J'adore parler des vélos qui sortent de l'ordinaire, ça vous le savez. Et le look de ce vélo
m'a vraiment interpellé. Le modèle 1, ouais, c'est son nom, est produit par la société Civilized Cycle. C'est une boîte américaine. Ce monsieur, c'est la seule astuce que j'ai trouvée pour ne pas prononcer son nom, il a créé ce vélo. Vous trouvez qu'il a un petit air de Vespa? Eh bien, vous avez raison, parce que ce monsieur, eh bien, était le premier concessionnaire new-yorkais Vespa. Je sais, ça laisse des traces. En effet, ce vélo est une fusion entre une Vespa et un vélo. Et mine de rien, c'est super malin. Parce que les ailes qui sont à l'arrière sont en fait des sacoches qui vont pouvoir s'écarter et ce sont des sacoches de grande capacité. Et comme vous pouvez le voir, il est équipé d'une selle passager car c'est vraiment un vélo qui est prévu pour rouler en duo. Son moteur est d'une puissance de 750 watts et sa vitesse maximum est de 45 km/h. Donc pour l'Europe, ça sera un speed bike. Sa batterie est une 48 volts 10,5 ampères-heure, ce qui va permettre d'avoir à peu près une autonomie de 30 km en full puissance. A noter tout de même que vous pouvez mettre une deuxième batterie en option pour bien sûr doubler votre autonomie. Il a une suspension originale qui se règle sur une simple pression suivant la charge du vélo. Moi, à mon avis, il a piqué cette idée dans l'automobile. Concernant son prix, il est proposé à 4 999 US$, soit 4 200 €. Il est en précommande sur leur site et comme d'habitude, les liens sont... Eh, plus fort là, j'ai pas entendu. Ouais, sous la vidéo. Ox est un fabricant chinois de motos électriques. Il produit des motos équivalentes à des 125 cm3. Ils ont 4 modèles, la Ox On, la Monte Carlo, la Tokyo et la Pentagonia. Facile à se rappeler. Ce sont des motos qui sont gérées par une intelligence artificielle. J'ai dit gérer, j'ai pas dit piloter, hein. On n'est pas sur de la Tesla quand même. Côté performance, 110 km/h en vitesse de pointe. Question d'autonomie, j'aurais pu mettre 110 km d'autonomie, mais non, c'est 100 km d'autonomie. Et par contre, un temps de charge particulièrement court puisqu'elle se recharge complètement en seulement 2 heures. Pour garantir son autonomie, elle possède deux batteries de 72 volts de 30 ampères-heure, ce qui me paraît correct. Alors, Ox est un fabricant chinois, mais ses motos sont produites en Espagne par la société Quasar Technology qui produit déjà des scooters électriques. Et je pense qu'il est inutile de vous préciser pourquoi ils ont choisi l'Espagne plutôt qu'un autre pays, hein? Bref, dans cette nouvelle unité de production, ils seront capables de sortir 2000 motos par mois. Pour revenir à la moto, elle dispose d'un moteur de 8 kW pour un couple de non précisé. Concernant les freins, pas plus d'infos parce que quand tu vas sur leur site, c'est indiqué frein CBS, c'est-à-dire que quand tu freines de l'arrière, ça freine de l'arrière et de l'avant en même temps. Mais du coup, je suppose que c'est des freins à disque, mais par contre, un étrier de 1, 2, 4 pistons, j'en sais rien. Alors, petit message perso, ce type d'information pour les motards, c'est pas suffisant, les enfants. Pareil pour le reste, vous marquez phare à LED, c'est bien, mais quelle puissance! La suspension arrière, vous en parlez pas. Pas plus que la suspension avant, et pour nous, quand même, c'est important, hein, pour nos petites fesses. Les pneumatiques, pareil, aucune information sur le site. Alors, ok, j'ai compris, vous débutez dans le job, ok. On ne vous en veut pas. Mais comme les motos seront disponibles au mois d'octobre 2021, vous avez le temps de corriger le tir sur votre site.
En attendant, elles sont en précommande sur leur site à partir de 4 100 € pour le modèle ON et 5 999 € pour le modèle Monte Carlo, Tokyo et Patagonia. Les liens, ils sont comme d'habitude, sous ma tronche. Blueway est une trottinette des mers à propulsion électrique. Enfin, une trottinette que l'on ne va pas voir sur les trottoirs, et là du coup tout le monde va l'aimer. Fabriquée en Chine... Hey, tu as regardé ton papier? C'est pas en Chine, c'est dans le sud de la France, à Aubagne. C'est nouveau ça. Si ça m'évite de dire des bêtises, pourquoi pas. Eh oui. C'est fabriqué et inventé en France par une jeune équipe qui sont dans le parc technologie de Napoléon. C'est vraiment proche de Napoléon ce nom. Et ils ont produit déjà 500 exemplaires depuis la fin 2019 pour un projet qui a débuté en 2017. C'est pas mal, non? Alors évidemment, la pandémie les a un petit peu ralentis, mais là, ça repart de plus belle. Et je pense que vous allez les trouver sur vos plages cet été. Sinon, côté technique, c'est propulsé par un moteur de 400 watts et d'une vitesse de 25 km/h. De 7 km/h. On est sur l'eau là. Concernant l'autonomie, elle n'est pas donnée en nombre de kilomètres. Là aussi, elle est donnée en temps d'utilisation et le temps d'utilisation est de 7 heures. Bon, je vous rassure, c'est assuré par une grosse batterie de 2 kWh et là, je pense qu'effectivement, les 7 heures, ils les font. L'ensemble pèse 62 kg et elle est équipée de roues arrière amovibles pour pouvoir la déplacer, pour pouvoir la tirer si vous préférez. Par rapport au paddle, pour ceux qui connaissent, elle est très facile à prendre en main, un peu comme une trottinette, quoi. On tourne la poignée pour la faire avancer et pour freiner, on fait reculer la planche, parce que ça se passe pas comme sur la route, sur l'eau. Il faut un coup aller dans un sens, un coup aller dans l'autre. À noter qu'ils utilisent un maximum de pièces recyclables, comme la planche qui est en PEHD recyclable et le reste en aluminium. Bon, c'est pas du 100% recyclable, mais ils font un maximum pour s'approcher de ce pourcentage. C'est dans leur ADN. Déjà exportés en Corse, Bora Bora et en Mayotte, ils espèrent s'ouvrir à d'autres marchés. Concernant le prix, c'est 7 000 € TTC. Leur clientèle, c'est plutôt les loueurs. Parce que oui, cette trottinette, c'est comme les trottinettes qui sont sur le trottoir. Ça se loue, plutôt. J'allais oublier. Ouais, les liens sont comme d'habitude. Non, c'est pas de la vodka, c'est de l'eau. L'émission est déjà terminée, vous pouvez aller faire du vélo et moi je vous dis, comme d'habitude, au mois prochain. Let's go!